pipe là, parce que je viens de tomber sur du gros. Alors ça sera sûrement pas streamé dans un numéro de The Big Game of Ski. Ça fera partie certainement d'un hors série, parce que là il est très tard dans la nuit, on est à 3h15, ouais c'est pas mal. Et donc je suis tombé dans mon tri de rhum sur Burglar X, et il faut absolument que je vous fasse voir. Parce que là, je pense qu'on tient du gros jeu. Alors, datez la chose, 1997. Voilà ce qu'on avait sur les bornes au Japon, et je pense qu'on ne les a pas eues ailleurs. En 1997, vous n'avez pas l'image. Oui, j'en suis confus, j'en suis désolé, j'en suis triste. Je vais remédier à ça, puisque vous êtes habitué à entendre ma douce voix qui se permet de meubler de la manière la plus feutrée tout ce temps d'attente inutile que nous nous tapons à cause de fell totalement minables. Vous êtes prié d'attacher vos ceintures, nous décollons. Vous êtes prêts donc pour cette grosse expérience qu'est Burglar X? Oui, vous avez bien vu. On vous le refait voir d'ailleurs. Alors, Burglar X, Bomber X. Le principe va pas casser des brouettes puisqu'il faut récupérer des cubes au fil du niveau et échapper à ses opposants. Voire les annihiler si possible. On a différents armements avec un Z majuscule. Mais surtout, on a du bon goût. Démonstration. Vous êtes prêts pour le bon goût? Oh mon dieu, un poursuivant! Vite! Eh oui, vous avez bien vu. Je lui ai loufé à la gueule. Rien de tel pour semer je ne sais pas, des policiers en plus. Des fois, je me trompe de bouton. Il reste combien? 15 boîtes. Ça va être long. Bon, je te les ai gazés. Bon, vous comprenez mieux pourquoi je tenais à vous faire voir ce jeu qui est absolument génial, absolument excellent et d'une finesse. Vous en redemandez. J'espère qu'il y a un tableau bonus quand même. Dommage. Je peux pas, j'ai rien à rajouter. Comment tu vas? T'en penses quoi? Ok. Il est bien ce jeu? Bon, elle est où la dernière beuvette? J'en pète de joie. Donc voilà, c'est un petit bout de Japon chez vous. Burglar X. Qu'est-ce qu'il va me faire faire ici?
Alors ça fait, au final, ça fait une espèce de mélange entre un Pac-Man et un Bomberman. C'est vraiment n'importe quoi. Technique hein, pour péter sur les gars. Faut avoir le réflexe de péter et mettre un coup de boule juste après. Je sais pas si ça vous arrive vous dans la vraie vie. Moi, généralement quand je pète, déjà j'évite de me faire remarquer, donc je ne mets pas un coup de boule juste après. Il me reste 5 caisses. Alors j'en lâche, mais j'arrive pas à trouver les 5 dernières. C'est quand même dramatique. Et bien penser à mettre un coup de boule après. Si on m'avait dit ça un jour. Alors, étrangement, vous ne m'entendez pas. Et je vous l'ai dit, hein, je suis sans voix, moi. Je suis subjugué par cette technologie au service de l'amusement. Thank you.
Oui, on s'amuse. Oui, c'est rigolo sur la durée. Non, en fait, ce jeu n'avait de rigolo que le lancement. Vous avez bien vu que, bien que ce soit relativement jouable, c'est tellement affligeant comme connerie que. Voilà, c'était le petit stream surprise avec cette japonaiserie qui est Burglar. Et je sens que je vais lui faire du dégât à ce truc. Bon, voilà. C'est un nom définitif. Au cas où j'aurais la très très mauvaise idée de publier ce stream, c'est un hors-série The Big Game of Ski. Je vous donne la chaîne générale ici. Et l'autre canal plus dédié, Shmup PB, en faire des boulettes là. Rejoignez-nous tous les jours à 19h pour un nouveau stream. Sinon, régalez-vous avec ces archives. Ciao!